That is a body blow to West Ham. A timely moment for Nicolas Anelka to open his account for the Baggies. Nicolas Anelka waiting for kick-off in last night's home game against Everton. The striker wore the colours of West Brom and their sponsor Zoopla. He could be banned for a minimum of 5 games after the FA charged him with making an improper gesture aggravated by a reference to race or religion. That follows this infamous quenelle, as it's known, said by some to be a kind of inverted Nazi salute. My understanding is there'll be an announcement in the next 24 hours, probably. I fully expect him to be charged with misconduct aggravated by racial hatred. First, Zoopla is to end its sponsorship of West Brom following Nicolas Anelka's quenelle gesture. The striker performed the controversial celebration, which has anti-Semitic overtones, after scoring against West Ham last month. The company is unhappy about the continuing presence of Anelka in the team and will stop backing the club next season. Live now from our central London studio. Mark, good afternoon to you. Let's get your reaction, first of all, that the FA has decided to charge Nicolas Anelka over his gesture. Certainly we welcome the FA charging Nicolas Anelka, and with it being aggravated behaviour. Donner interdit de territoire en Grande-Bretagne, c'est une mesure rare prise alors que le polémiste souhaitait apporter son soutien à Nicolas Anelka, jugé par les instances du foot anglais pour avoir fait une quenelle. West Bromwich Albion striker Nicolas Anelka has been banned for 5 games by the English Football Association after being found guilty of causing racial offence with a goal celebration during a Premier League match. He was also fined £80,000 and ordered to complete an education course. Anelka says that he is not satisfied with Albion's conditions on his proposed rejoining of the team and that he was leaving to preserve his integrity. The conditions were that he should apologize to the club and its supporters for his recent use of the controversial quenelle salute. Tout un tas de joueurs aussi, notamment camerounais, bon, qui se sont mis aussi à l'aider, à le soutenir, et ils veulent aussi les sanctionner. It is very important to make it clear that until now, no one has managed to explain why Anelka gesture or salute should be interpreted as an anti-Semitic gesture. Why? Was the gatekeeper a rabbi? Was he an Israeli settler? What is anti-Semitic in a French football star scoring a goal and out of excitement performing a gesture that is now very popular in France and all over the world, and is recognized by its inventors and the people who perform this gesture as an anti-establishment gesture. I think that Anelka is already a hero, and he is a hero because he is chaste. He is an ordinary human being who is apparently a very talented footballer, and he is chaste by statements by the Jewish lobby, by the board of deputee, the Jewish company Zoopla or whatever they call themselves, Chicken Zoopla or whatever, that fund is endorses the football team, drop them, and they are actually standing with him. So he's already a hero. And he shouldn't apologize unless he himself accepts that there was hatred or anti-Semitic intent in his action. We have to accept, all of us, that Jewish people and their lobbies are extremely sensitive. But they are in most cases, sensitive to crimes that have never been committed. How is it possible that if the quenelle is loosely defined as an anti-establishment
the Jews are the people who are getting offended. Is it because the Jews see themselves as closely related to the establishment? Or is it because the French government see the Jews as the defender of their establishment? I didn't see anything in Dieudonné's action that make him into an hater of any form. Dieudonné is entitled to believe that the Holocaust is not a primary issue. Dieudonné and anyone else is entitled to oppose the primacy of Jewish suffering. In fact, the more I look into it, I am more and more interested in the suffering of other people who are subject to Jewish abuse. And this is not just in Palestine. This is now in France. This is totalitarianism. This is the ugly face of fascism. He argued all the way through that this is an anti-establishment gesture. C'est un geste d'esclave qui se regarde et qui rêve d'émancipation. I think that what happened with it, really, is my interpretation. For a very long time, they tried to pin him down, to break his career, to break his power. After all, he is the most popular comedian, entertainer in France. He's a beautiful soul. And then they've managed to pick up few sporadic pictures of people doing the canal in places that are precious to the Jews, the Holocaust Museum, Auschwitz, or whatever. And they used these sporadic pictures in order to try to destroy Dieudonné. Now, something beautiful happened. To start with, the entire French society realized that it's an Israeli Hasbara propaganda machine. They saw their own socialist government succumbing to Jewish pressure made by the CRIF. They saw the entire French press crawling in front of their paymasters. And this is an extreme moment of a collective epiphany for the French people. This is where we start to think about Christ. That his passion, his plight, his misery throw light on evil, yeah, on true evil. This is what we see with Dieudonné. We see a repetition of the murder of Christ. We have the CRIF using this Hollande Pilatus as a Roman, yeah, crucifying this beautiful man, Dieudonné. And we see the French press, Judified press, shouting, but we see millions of people saying, this is not right. It stinks. And YouTube, his channel on YouTube, is becoming the New Testament. That's all. They are trying this to, is boomerang. They this are the trying boomerang. To burn it now. Exactly, exactly. And the more pressure they would inflict on this man, or on Anelka,
And they did the same with me or with Soral. They are welcome. I'm sorry. Maybe today is not happy. They are welcome. I'm happy to take every, you know, their entire vocabulary of punishment, because every time they try to punish me, they actually expose the matrix of power in which they operate. J'ai été lynché en place publique, comme on lynchait les nègres du temps de l'esclavagisme. Il y a eu une démonstration de force du mouvement sioniste en France autour de l'affaire Dieudonné. Une sorte de tempête qui s'est abattue sur moi, ma famille, mon environnement professionnel. Tout ça, un homme, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, c'est une sensation très particulière que d'avoir tout le gouvernement français contre soi. Il a utilisé tous les moyens en sa possession, tous les moyens de l'administration, pour eh bien me bloquer. Contrôles fiscaux, évidemment, tous les services de l'État contre moi pour me neutraliser. J'ai quand même fait 2 gardes à vue, j'ai quand même fait 6 perquisitions en l'espace de quelques jours. Donc, il est clair qu'il utilise tous les moyens qui à sa disposition, donc les moyens de l'État, pour abattre un homme. Et ça, c'est vrai que c'est ça prouve non seulement le manque de panache, le manque d'honneur de ce type d'individu, mais la vulgarité et puis la situation dans laquelle il se trouve, il la mérite bien. Et je suis très content d'ailleurs que, et j'espère que aux prochaines élections, il fera partie de l'eau du bain. À l'occasion des dernières élections municipales, en votant ou en vous abstenant, vous avez exprimé votre mécontentement et votre déception. Et je suis venu ici vous dire que j'ai entendu votre message. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Je devais me rendre en Israël début mai, mais voilà qu'on me nomme Premier ministre. Il y a là quelque chose qui va à l'encontre de mon envie et de cette invitation, mais je ne doute pas un seul instant que j'arriverai à honorer cette invitation qui me tient, vous le savez, à cœur. Et jamais la France ne tolérera, ne montrera la moindre faiblesse à l'égard de ceux qui s'en prennent aux Juifs de France, car ils sont la France. Ce combat a été le mien comme ministre de l'Intérieur. Il sera toujours le mien comme Premier ministre. Comment dissimuler la joie qui s'est emparée de moi depuis la nomination de mon attaché de presse, Manuel Valls, El Blanco. Ça va bien ? Ouais. Belle image. Belle image de David Lévin. Vous me mettez quelques blancs ? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Viva El Blanco ! Au poste de chef de gouvernement. Ah, j'y croyais pas. Je pouvais pas espérer, même dans mes rêves les plus fous, pareille promotion. El Blanco, donc Premier ministre de la France. Le plus mauvais des hommes politiques, certes, mais le meilleur des attachés de presse. Il a fait de moi une star internationale. Je suis interdit jusqu'en Angleterre. Donc c'est quand même des choses... J'irais même Molière n'a pas le droit à un traitement comme ce genre. Il a réaffirmé d'ailleurs que moi et Alain Soral serions la priorité dans l'action de son nouveau gouvernement. BHL, le responsable du génocide libyen, il est là. Lui, il a fait toute sa fortune, sa famille, sur le bois précieux africain. Ah ouais, l'Afrique, vraiment, avec ce genre d'individu, on a bien morflé. C'est un film d'horreur que vous allez voir. Moi, je l'interdirais au moins de 50 ans. Regardez. Cette prétendue phrase de Voltaire, disant « Vos idées ne sont pas les nôtres, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer », cela est une imposture, cela est un mensonge. Cette phrase a été inventée par les propagandistes de la haine, pour qui la liberté de tout dire veut juste dire la liberté d'insulter tranquillement. Le nombre d'actes antisémites serait en régression cette année par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que ces comptes d'épicier? Qu'est-ce que cette comptabilité macabre? Salut à toutes et à toutes. J'ai pas l'habitude d'être de ce côté de la caméra, mais ce soir je suis un petit peu obligé, vu
vu l'état de ma caméra, voilà, j'ai voulu aller filmer une manifestation qui avait lieu aujourd'hui au Trocadéro. Une manifestation qui était déclarée contre l'antisémitisme. Voilà, alors moi je fais partie de l'agence Infolib, comme vous le savez. Quand j'ai voulu me déplacer pour aller vers l'espace réservé à la presse, je me suis fait attraper dans le dos, parce que je portais... ça c'est ce qui reste de ma GoPro. Je vais vous le montrer. Voilà. J'ai pris une GoPro parce que je m'étais dit que si jamais je devais avoir des soucis, ça viendrait par derrière. Et je ne me suis pas trompé. Il y a une personne qui est venue, qui m'a craché dessus en me disant « Facho, tu donnes la parole à Dieudonné. » Je dis « Oui, bah oui, ok, ouais, j'ai donné la parole à Dieudonné, j'ai été filmer des procès, même des procès où il y avait la LDJ, bah, soit, moi je suis journaliste, je filme tout. » Donc à ce moment-là, il y a, je dirais, entre 6 et 8 individus qui me prennent, qui commencent à me menacer, à me dire « Viens avec nous, on va te défoncer. » Bah forcément, j'avais pas trop envie de y aller. Il était allé jusqu'à une vingtaine de personnes, je dirais, autour de moi. Et ensuite, ils se sont mis à me rouer de coups. Moi, je me suis mis par terre. Je me suis protégé la tête et les organes comme je pouvais. Et ensuite, il y a les policiers qui sont arrivés. Les membres de la LDJ étaient là. Il y a eu aucune interpellation. Ma GoPro, moi, je voulais absolument la récupérer, forcément, parce que j'avais les visages des gens qui m'avaient attaqué par derrière, donc c'est des pièces absolument primordiales pour attester de cette agression, mon caméscope ne filmant pas. Et ce qu'on m'a répondu, c'est non, on peut pas intervenir, sinon il va y avoir une émeute. If the police are guarding them while they are training, how could they arrest them? The police is present, of course, but it's not everywhere. So we have to do what they are incapable of doing correctly. We are here, present. We're Jews, noble and cruel. We're well-trained and well-equipped. We're not afraid. Our enemies should be more afraid of us than we are of them. Do not get in our way because we'll hurt you very, very, very badly. I exposed with my friends some Zionist felony and hypocrisy for doing this job in September 2012. My car have been bombed by with an artisanal bomb. I received death threats. Alors le plus drôle dans cette affaire, parce que il faut quand même essayer de rigoler un petit peu, la Ligue de défense juive a revendiqué l'action sur son Facebook. Alors je mettrai la capture d'écran. Ils disent bonne nouvelle, Jonathan Moadab, le néo-nazi juif. Et oui, ça existe. Voulait infiltrer la manifestation contre l'antisémitisme ce soir et s'est fait défoncer par nos frères. Alors, bon, bah, vous voyez, c'est vrai que je me suis fait un peu latter la gueule par terre, mais sinon ça va, j'ai un petit peu mal au cervical, mais dans l'ensemble, je suis plutôt bien portant, et je reste circonspect. Pourquoi se réjouir 25 mecs entraînés à un art martial qui fait pour tuer le Krav Maga, ils attaquent un freluquet comme moi, tout seul, et ils s'en vantent. Je veux dire, les... C'est ça être un juif fier. Si c'est ça être un juif fier, je veux bien dire que moi je suis fier d'être un juif honteux. Je vous rappelle cette phrase qui quand même qui restera dans les annales de l'histoire. Les juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République. Soyez fiers de le proclamer au monde. Les juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Alors j'ai envie de m'adresser évidemment à l'arrière-garde de la République que nous sommes, toute la merdasse, la chair à canon, la chair à consommation. Donc non-juif de France, tu as entendu ton premier ministre qui t'a déclaré la guerre officiellement et qui a déclaré vouloir m'exterminer, moi et Alain Soral. Hein, moi en interdisant de travailler, Alain Soral en interdisant de vendre ses bouquins. Ils veulent notre peau. Vous avez jusqu'au 15 février pour vous les procurer chez Contre-Culture. Après, nous ne vous les vendrons plus, car ça serait illégal et surtout soumis à des astreintes, etc. Mais vous pourrez les acheter chez d'autres éditeurs, qui eux ne sont pas pourchassés, bizarrement.
Eux, ils ont le droit. Il y a juste Alain Soral qui est contre-culture qui n'a pas le droit. Parce que c'est la LICRA qui décide. Hein. C'est comme ça la France maintenant. Voilà. Pourquoi il y a des millions de visiteurs sur le site de cet individu? Pourquoi il y a des milliers de personnes qui, en toute connaissance de cause, assistent à ce type de spectacle? Je serai au Havre le 11, à Rennes le 12, à Brest le 13. Le 18, ça sera Strasbourg, Mâcon le 20, Saint-Étienne le 26, Clermont le 27. Dépêchez-vous, hein. Soyez de plus en plus vous êtes nombreux et plus ils chient dans leur froc. Hein. Donc l'objectif, si vous voulez, puisque Manuel Valls nous a déclaré la guerre, ben on va lui montrer. On va lui montrer comment. Toute ma famille a été convoquée par la police, contrôle fiscal sur tout le monde. Ils ont voulu me virer de chez moi. Moi, ils m'ont tout fait. Hein. Ils peuvent pas faire beaucoup plus. Test ADN de mes gosses. Bien sûr. Bon, Robin. Ouais. Voilà, c'est chaud. Hein. Je reviens de Belgique, ça chauffe. Hein. Ah, le peuple est en colère, il est dans la rue. J'emmerde tous les soi-disant bien-pensants, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, qui sont aujourd'hui au basque de nos pouvoirs corrompus et qui se plairont à me tourner en ridicule. J'emmerde nos dirigeants qui jouent avec leurs bombes comme des gamins dans une cour de récréation. J'emmerde ceux qui prétendent être des démocrates alors qu'ils ne sont que des criminels de bas étage. Je n'ai pas beaucoup de respect non plus pour les journalistes qui ont le culot de faire passer les opposants pour des débiles mentaux alors qu'au fond, ils savent très bien que ces opposants ont parfaitement raison. The Belgian authorities have banned a gathering of far-right activists due to be held on Sunday in Brussels. Critics had slammed the planned event as anti-Semitic, but organiser MP Laurent Louis denied the claims. Controversial French comedian Dieudonné had been among those expected to attend. Quand par exemple, lors des meetings de l'UMP, on voit des gens comme Depardieu ou Johnny Hallyday venir soutenir l'UMP, le candidat, ça ne pose pas de problème. Tout le monde trouve ça normal, mais on ne trouve pas normal que Dieudonné puisse venir soutenir Laurent Louis. Ça, ce n'est pas juste. Si on attend que le Conseil d'État puisse se prononcer sur l'interdiction qui a été décrétée par le bourgmestre d'Anderlecht, qui est socialiste, digne petit-fils de Manuel Valls, avec le charisme en moins et le courage également en moins. Et donc on attend. On attend la décision. On ne perd pas espoir parce que il y a quand même une jurisprudence qui existe en Belgique, puisque le spectacle de Dieudonné avait été interdit il y a quelques mois de cela par le bourgmestre socialiste de Bruxelles. Et finalement, le tribunal avait décidé que cette interdiction était illégale parce que Dieudonné ne tenait pas de propos antisémites. Oh oui, c'est très impressionnant. Bienvenue en dictature. Voilà. Voilà, je fais la quenelle parce que j'emmerde ce système qui nous opprime, ce système qui réduit nos droits et nos libertés fondamentales. C'est un signe de résistance. Les vrais médias observent les faux médias. C'est comme ça que ça se passe dans la résistance. Vous voyez bien que tout ce que vous racontez dans les médias, hein, depuis que cet événement a été annoncé, c'est-à-dire que vous nous parlez d'un congrès soi-disant qui regrouperait le plus grand rassemblement antisémite depuis la Seconde Guerre mondiale, ce sont des élucubrations, c'est de la propagande. Voilà, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun fondement. On parle de fascisme. Vous voyez bien les visages qu'il y a autour de vous. Moi, je vois toutes les communautés, je vois toutes les races, toutes les religions. Ils sont où les fascistes? Puisque le fascisme, c'est censé être une idéologie qui est basée sur une race supérieure. Alors, elle est où votre race supérieure ici? Il y a des partis comme Svoboda, des véritables nazis, parce que les nazis, ils sont là-bas. Hein, il faut pas venir les chercher à Bruxelles. En ce moment, il faut aller à Kiev pour aller chercher les nazis. Hein, il faudrait demander aussi pourquoi BFM ne relaie pas les informations sur lesquelles on a trouvé des snipers israéliens et des snipers de l'OTAN sur la place.
place Médane et que c'est eux qui avaient tiré sur la foule. Énorme. C'est-à-dire, lui, il se prépare à la charge, apparemment. Et voilà, des belles images. Caméra, c'est des armes, aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est comme un sniper. Ils font penser aux mecs, les snipers israéliens de Médane. Ils étaient cachés comme ça aussi. Arrêtez votre propagande, parce que désormais, il y a une presse indépendante qui vous regarde et on ne laissera plus passer vos mensonges. En particulier, l'AFP, qui est une organisation qui s'est fait remarquer dans une manipulation hautement célèbre avec Ahmadinejad et le président Chavez. C'est particulièrement honteux quand on est un organisme comme le vôtre, subventionné avec de l'argent public. J'aimerais bien comprendre le sens de l'expression « l'extrême droite panafricaine » telle qu'elle a été décrite. C'est strictement. Vous n'en savez rien. Pourtant, vous êtes venu ici. Oui. Et bien, c'était pour voir quoi ? Pas ça. Voilà. C'est bien. Vous voyez la bêtise en direct, c'est quand même c'est extraordinaire. Voilà. Qu'est-ce qu'un fasciste, monsieur ? Ça remonte une grande histoire. Ouais. Ah, 6ème réto. C'est marrant parce que les médias un autre en le jugeant. Des questions. C'est marrant comment vous êtes fait à la place du cœur de l'autre. Parce que vous vous sentez un petit peu inversé. D'habitude, c'est vous qui menez le bal, hein, qui montrez ce que vous voulez au reste du peuple, malheureusement, qui est obligé de vous croire. Et là, on va pouvoir montrer l'autre visage. C'est-à-dire, vous voyez, des médias désemparés dès qu'on leur pose un peu une question sérieuse. Et c'est le début d'une nouvelle ère. Maintenant, les médias vont s'affronter directement. Il y aura deux images, véritablement. Nous, on commence à s'armer. Vous savez, ça me fait un peu penser aux Indiens d'Amérique qui ont commencé à résister le jour où ils ont eu des fusils, vous voyez. Et ben, nous, on a nos fusils, ils ont encore les tanks en face, mais il faut pas qu'on leur fait peur, quand même. Tout d'un coup, là, il faut que la peur change de camp. Voilà. Je ne veux pas qu'il y ait de blessés, ni de violence ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça, debout les Belges. Debout les Belges, c'est la dignité, c'est le respect de l'autorité, encore faut-il que cette autorité soit digne et qu'elle prenne des décisions qui soient acceptables. Entre 200 et 300 participants attendent devant la salle de réunion qui a été fermée. L'organisateur de cette réunion qui a demandé aux participants d'avoir un comportement digne et exemplaire. Digne et exemplaire, ça veut dire qu'il leur a interdit de faire le salut nazi. Vous représentez bien le média mensonge, franchement, bien propre sur vous. Sincèrement, vous le représentez trop bien. C'est trop bien. Vous le représentez, le mensonge, la médiacratie. C'est trop beau. Vous êtes une caricature. Ok, ça va. Et Sacha fait juste gaffe à un truc. Si il y a de pionnettes derrière moi, tu me signales, tu me signales. Voilà. Voilà. Éteignez vos télés. RTL ment. Et comptez-moi. Voilà. C'est une scène d'État. On est contre l'État. Donc c'est plus ou moins normal que l'État nous critique. Vive la dissidence belge. Hop, on rend l'antenne et on revient. On rend l'antenne. In Belgium, riot police use water cannon to disperse an anti-Israel gathering. Oh, il y a eu des images extraordinaires face aux canons à eau et aux matraques des CRS, des quenelles, mais qui résistaient avec la quenelle sur le canon. Quenelles, ananas et fleurs face à la violence. Oh, regardez, c'est extraordinaire. Ou réplique à coups de quenelle, opposé au Congrès les organismes. On était tout à fait dans la légalité, on avait introduit un recours au Conseil d'État. Il était prévu que notre avocat vienne nous donner la réponse du Conseil d'État. Ils ne lui ont même pas laissé le temps, ils avaient déjà activé les autocollants. Donc aujourd'hui je déclare... Conseil d'État. Pardon ? La réponse du Conseil d'État. On ne la connaît toujours pas. C'est illégal ce qu'ils ont fait. Ils auraient dû attendre d'avoir la réponse avant. Du Conseil d'État pour nous demander d'évacuer, que nous allions évacuer sans aucun problème. On ne peut pas passer. Je vais un petit couteau, je vais ramasser, je vais manger. L'ambiance est monté dégueu ce soir, tranquille.
Puisqu'on n'arrive pas sur le terrain du droit, eh bien, à m'interdire de travailler, on a décidé maintenant de, eh bien, de retirer le travail, de s'attaquer à mes avocats. De s'attaquer à ses avocats. Et donc, on s'attaque à lui. Voilà. Et on voudrait lui retirer maintenant la possibilité d'exercer la profession d'avocat. 7 mai prochain, audience disciplinaire à la maison des avocats du barreau de Paris sur des accusations qui sont toutes plus frauduleuses les unes que les autres. Vous avez tous entendu Monsieur Valls expliquer qu'on utilisera tous les moyens. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore, semble-t-il, engagé des gens pour lui tirer une balle dans le dos, mais apparemment, on commence à s'attaquer à ses avocats. Hein. C'est donc perquisition de policiers dans les cabinets d'avocats, sans droit ni titre. C'est des procédures disciplinaires frauduleuses qui sont engagées. Excusez-moi, mais là, on est en train de basculer d'une manière un petit peu insidieuse dans un régime de style régime de Vichy. Ce sont tous les gens qui siègent donc au conseil de discipline régionale, et vous avez 28 d'entre eux qui siègent sans droit ni titre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de siéger, parce qu'ils ont été désignés irrégulièrement, et d'autre part, parce que lors de la délibération qui les a désignés étant illégale, eh bien, ils n'ont pas le droit de siéger. Voilà, je vous remercie. On va essayer de faire des photos des faussaires. Hein ? C'est une des avocates qui m'a radié en 2008. Hein. Et ça revient encore. Bonjour, à tout à l'heure. Monsieur Gardel, il est avocat ? Il est avocat. Enfin, il paraît. Il est plus grand temps. Ouais. C'est celui qui fait des rapports disciplinaires alors qu'il est sous le coup d'une réutilisation non purgée et qui m'accuse d'avoir injurié des magistrats sans avoir été capable de citer leur nom. Voilà. Bravo les faussaires. Bravo. J'étais avocat depuis 4 mois. Il commençait déjà à exercer des pressions et des menaces à mon encontre. Ce que je viens d'indiquer à monsieur, je vous l'indique aussi à vous, vous rangez vos appareils photo, à défaut, vous quittez la salle. Toi aussi, tu refuses, soi-disant, tu n'es pas président du conseil de discipline. Je vais montrer tes papiers tout de suite, tu n'es pas président du conseil de discipline, tu es un faussaire, donc tu prends tes clics et tes gags et tu rentres chez toi et t'es réussi. Procédure rattachée d'irrégularité, vous le savez. Vous le savez très bien. Vous n'avez pas de Donnez-moi ce dossier. Monsieur, voulez-vous rendre ce dossier immédiatement? C'est son dossier. On va venir ici, on va faire la vérification du dossier. Rendez ce dossier. Là, il y a des lettres qui ne m'ont pas été communiquées, monsieur le faux président. Qu'est-ce que ça veut dire? Forfaiture. Des lettres qui n'ont pas été communiquées? C'est pas possible. La décision du conseil des Sinon, je vais proroger de 2 mois le délai accordé. Mais c'est un faux, vous n'êtes pas le président, monsieur. Vous êtes un faussaire. Je ne sais pas ce que vous faites ici, dans votre dossier, à votre accusation. Qu'est-ce que vous faites là? Quelle honte, ouais, quelle honte. Je vous invite à garder le dossier du faussaire pour le mettre au pénal. Ah, ben voilà, vous êtes informé du cas de Philippe Maurice, le faux avocat qui a été inscrit. Dont vous avez prononcé la radiation en fabriquant un faux jugement. J'ai été convoqué devant l'Assemblée Générale d'un prétendu conseil de discipline qui comporte 48 membres. Donc la moitié, c'est 24. Alors, je ne vois pas ici 24 juges, donc on n'est pas en Assemblée Générale, ce n'est pas le Conseil de discipline régionale. Deuxièmement, je vous demande maintenant, et j'ai souhaité consulter ce dossier, pour y trouver le rôle de l'audience. C'est bien normal. Il n'était pas affiché sur la porte d'entrée, donc c'est déjà une irrégularité. Eh bien, je vous demande de dresser immédiatement le rôle de l'audience avec le numéro de RG de l'affaire, comme je vous l'ai demandé ce matin. Par télécopie, je vous ai demandé de m'apporter le rôle de l'audience avec le numéro de RG de l'affaire, avec le nom des juges qui siègent. Hein, bon. Et que tout soit en règle, après, nous procéderons à la vérification d'identité pour savoir si les gens qui siègent sont bien des gens qui ont été élus ou pas élus, s'ils sont récusés ou pas récusés. Voilà. Donc alors, je vous demande de bien vouloir
procéder à cette formalité obligatoire, puisque vous pensez être président de juridiction. Vous devriez vous savoir ça. J'ai pas besoin de vous l'apprendre. La réponse de monsieur Déton, s'il vous plaît. Mais c'est moi qui l'ai. Allez, Déton, pas discipliné. Hein. Il n'est pas très discipliné. Hein. Ah oui, non, il est timide, timide. Monsieur Déton. La réponse, s'il vous plaît. La réponse est oui. C'est pas compliqué. Vous dressez le rôle, vous mettez sur la liste une croix à côté de chaque personne. Vous mettez une croix comme vous voulez. Hein. Bah, on a déjà donné la liste, il n'a pas voulu le faire. Ah bah parce que c'est une justice de caboulard alors. C'est ça. Mais j'ai des cagoules pour les juges. Vous pensez que c'est moi qui suis à côté de la plaque? Pourquoi me mettez tant? Donc il faut le nom des juges. Absolument. C'est une obligation et vous avez ici un juge qui vous parle. Ah c'est le juge. Bon, je constate, malheureusement, qu'après plusieurs reprises, monsieur Déton n'a pas répondu, et il garde le silence. Soit il est psychiquement atteint, soit il est timide, je sais pas, soit c'est un procès réel et un délinquant. Est-ce que c'est un délinquant? Il y a un psychiatre dans la salle. Est-ce que c'est un délinquant? Il y a complot là-bas. Nous attendons qu'on prenne le dossier. Déton. Présent. C'est un avocat? Oui, il est là. Il est là? Déton. Déton est là. Bravo. Madame Josine Biton. Présente. Secrétaire. Où est-ce qu'elle est? Ici. Bonjour. Monsieur Éric Grandpierre, j'imagine. En photo. Je vous présente. Présentez-vous. Présent, monsieur. Je suis le Templier. Je ne serai pas jugé par votre couleur. Je voulais savoir si vous avez été jugé. Vous me dites votre nom. Madame, nous pouvons les écouter. Monsieur le bâtonnier, je vous invite à vous exprimer. Vous n'avez pas le droit. Courrier, vous êtes filmé. On veut savoir la vérité. Vous avez ici la liste de l'ensemble de la collégialité, des avocats, qui doit pouvoir répondre oui ou non. Nous avons eu deux anonymes ici qui sont encore en train de traiter. Donc les deux anonymes, s'ils ne veulent pas décliner leur identité... Procédure irrégulière. Absolument, mais ils sont... Pas deux, il y en a 10. Ah, il y en a 10. Comment vous appelez-vous? Mais je n'ai pas donné moi. Ça suffit maintenant, monsieur. Vous êtes un faucheur, vous n'avez rien à faire ici, monsieur, voilà. Et en plus vous êtes réfugié, et vous êtes en train de faire des actes de procédure. C'est une forfaiture. Voilà. Tout dans la douceur. Je constate que le conseil n'est pas en situation de pouvoir. Je constate que le conseil n'est pas en situation. Vous êtes en de la France. Parce que vous êtes récusé. Il n'est pas en situation de pouvoir examiner les faits pour lesquels il est saisi. Oui, mais il n'a pas besoin de les examiner. Il ne peut pas les examiner, il est récusé. Et que par conséquent, je renvoie l'audience. Je renvoie l'audience. On sera encore là. À une date qui sera communiquée ultérieurement. À l'occasion de la suite. Voilà. Alors moi je. Bon, merci de vous déporter, monsieur. Merci de vous déporter. Nous allons continuer l'audience. Merci de vous déporter. On va continuer l'audience. Dites. Vous voulez vous retrouver dans une salle? Oui, avec le signe. Si vous êtes en train de vous faire. Le faux président du conseil de discipline, François Déton, est en train de déposer plainte pour vol de dossier, soi-disant. Voilà. Vol de dossier, voie de fête. Voilà. Alors que lui-même a essayé de siéger en qualité de président de juridiction alors qu'il n'a pas été régulièrement élu. Et circonstances particulières, bien entendu, c'est lui qui a rédigé et signé le faux procès-verbal actant sa propre élection. The pro-Palestinians, they also are against Dieudonné. Why? Because the pro-Palestinian in France, the organizations like Euro-Palestine, AFPS, BDS,
UJFP they integrated the idea, a kind of political or ideological submission to the, in French we say la pensée unique. It means the unique thought, the thought which dominates the country. And these Palestinian organizations have assimilated the fact that we can criticize Israel but not be anti-Semitic, because they are afraid of the threat to be anti-Semitic. It's terrible because they fight against Israel, but they don't realize that to fight against Israel, when you live in France, you have to begin to fight against the Jewish lobby, against the Zionist lobby. If you don't do that, your fight against Israel doesn't work, it's nothing. But the problem is that if you fight the Jewish lobby, they can call you are anti-Semitic. And this, just the word, is terrific. And they don't, and just to prevent this to happen, they are so afraid of this threat that there is a unanimous condemnation of Dieudonné among the Palestinian organization. I give you an idea. Le Printemps des Sayanim, the book I wrote. I mean, this book is almost boycotted by the Palestinian organizations. Why? I thought in the beginning, I didn't understand why, because I brought them a weapon to fight the Zionist organization. But this book reminds of or gives an idea of a kind of Jewish organization, secret organization, which could remind to Jewish plot, you know, in the 19th century, when the anti-Semitics wanted to fight the Jews, they said the Jews are plotting against the system, or against the Tsar, or against the mob. And there was a book, a famous book called Les Protocoles des Sages de Sion, qui was supposedly written by Jews to dominate the world. And so there is the idea that if you say that the Jews organize themselves so to secretly to defend Israel, to support Israel, exactly, because it remains. And this is a kind of terrorizes the Palestinian organization to defend the book like Le Printemps des Sayanim. It means that the Palestinian organization have integrated the, have assimilated the linguistic domination, the ideological domination, the symbolic domination of the Zionists. The Zionists have a domination on the language, on the symbols, on the concepts. The Jewish lobby tells the Palestinian organizations, tell the leftists and everybody, it tells them, be careful, don't go beyond this lane, because if you go beyond this lane, you are anti-Semitic. And these people, they don't say, hey, who are you to tell me I'm anti-Semitic? Yeah, go to hell. But they, it's a very blurry line between anti-Semitic so they don't, and anti-Zionist. Yeah. So they don't dare say something to this lobby, and they obey this lobby. And
That's why even the Palestinian organization are all against Dieudonné.